Alors, rebonjour, c'est toujours Mathieu, on est toujours le 5 novembre, donc un jour avant le résultat des élections. Je crois qu'on devrait les avoir demain, les résultats. Hein. Donc, on va regarder un petit peu les résultats, enfin, pas les résultats, mais les conséquences. Alors, les conséquences, qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, on va rester sur la France, hein, l'Allemagne, je la laisse à part. Est-ce qu'il va y avoir des bouleversements? Ouais. Ouais, on va regarder le mot conséquences. Voilà. Qu'est-ce que va apporter le résultat des élections en France? Alors, une attente. Bah oui, effectivement. Une attente et un arrêt. Une rupture. Une rupture de quelque chose. Mais c'est sous attente. Pardon. Bon. Alors, on retrouve la question d'attente. Alors, que vont amener. En fait, tiens, on va demander pour le gouv, hein. Puis après, on fera pour les Français. Parce que c'est vrai qu'il faut distinguer les deux, hein. Ça peut très bien amener des choses positives pour les uns et négatives pour les autres, hein. Faut voir, hein. Bon, alors, que vont apporter les résultats des élections US au niveau du gouv? Parce qu'on ne peut pas mélanger, hein. On ne peut pas mélanger. Non. Alors, ça, c'est pour le gouv. Ok, bon, on va retourner tout de suite. Un marais, une stagnation, l'automne, oui. Des choses cachées. Ah ben, ça m'aide pas. Que vont apporter? Bon, pour l'instant, il nous dit que c'est encore mystérieux. Une stagnation sur l'automne. C'est marrant quand même, hein, parce que c'est vraiment ça, hein. Des choses cachées. Donc, on a l'impression que pour l'instant, il nous dit que sur l'automne, ça ne changera pas grand-chose, les résultats des élections. Ok. Pour le gouv, en tout cas. Pour le gouv. On va essayer de voir un petit peu plus tard. Est-ce qu'il va y avoir, pour le gouv français, des conséquences des élections, des résultats des élections US? Alors, un arrêt. On retrouve la hache de ma coupe. Une privation. Et un couple. Alors là, faut que je regarde. Qu'est-ce qu'on a sur le couple? Un refuge pour un couple. Un couple qui doit se mettre en situation de refuge, peut-être. Ah ah! Un couple qui doit se réfugier. Ou est-ce que c'est un couple qui se sent à l'abri? J'ai quand même des privations. De quoi? Et là, une rupture. Donc après, apparemment, ces élections US vont avoir des conséquences importantes. Peut-être pas tout de suite, puisqu'on a vu qu'il y avait une attente. Mais il y a un truc qui va s'arrêter. Ça va créer de l'instabilité du fait de cet arrêt et une crise. Une crise psychologique du fait de privation. Alors, privation de quoi? Est-ce que c'est privation du soutien, par exemple, puisqu'on sait très bien que l'Ouest soutient bah, la France? Moi, j'ai quand même un arrêt, une privation qui crée une crise et de l'instabilité. Un couple, on va regarder le fameux couple. Je pense que vous devinez de qui il s'agit, hein. Un couple qui est dans son pigeonnier. Oui, c'est un pigeonnier. Qu'est-ce que je raconte? Non, non, c'est bien marqué pigeonnier. Pourquoi? Qui doit se mettre en repos à la campagne. Alors là, c'est de mieux en mieux. Alors bon, remarquez, c'est cohérent, hein, pigeonnier à la campagne. Pourquoi est-ce que le couple va se mettre dans son refuge? Sur l'hiver. Bon, bah, je ne sais pas pourquoi. J'ai un couple qui se met en repos ouais, en sécurité, j'ai envie de dire. Pourquoi? Il y a des questions de maladie. Un couple qui va avoir des problèmes de santé. À cause de quoi? Ah ben c'est l'Élysée, hein? Ouais. Ça, c'est je sors ça pour l'Élysée, moi. D'accord, on est d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il devrait se mettre en retrait? Je comprends pas bien. À cause d'une perte ou d'une perte, d'un vol. Regardez, j'ai que des cartes de se mettre en retrait. Isolement, solitude. Donc apparemment, d'après mon jeu, le résultat des élections US devrait mettre un couple, pardon, un couple en retrait. Ça devrait
Ouais, ça devrait provoquer leur retrait, leur isolement. On se cache et on dit qu'on est malade. Ça provoque également un arrêt ici, beaucoup d'instabilité au niveau du goût français, je parle, hein. Des privations et des troubles psychologiques ou un choc émotionnel. Alors, on va regarder la privation de quoi? Bon, j'ai les ennuis, les épreuves, oui, les imprévus. Au niveau de racines, de ramifications. Bon. Oui, privation d'amis. Bon, ben, c'est plutôt en. Ça parlerait quand même davantage de Monsieur Coin-Coin, hein. Parce que je pense que, effectivement, si il est élu, comme on l'espère tous quand même, pour des raisons purement, on va dire, de sagesse, hein, de raison, on ne va pas rentrer dans le débat si c'est bien, si c'est pas bien, pour des raisons uniquement de sagesse et de raison, eh bien, il vaut mieux qu'il soit élu. Et là, on nous dit qu'il y aurait des privations de soutien. Ici. Et que ça créerait des troubles psychologiques ou une grande instabilité qui ferait que notre couple préféré de voilà du château, eh bien, devrait se mettre en retrait, à l'abri, et éventuellement dire qu'ils sont malades. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai la pie, la perte. La perte d'une solution. Et des regrets, hein, un truc. Bon, on va dire la perte de soutien de la part des US, ce qui mettrait les gouves en retrait. Bon, il y a un truc comme ça, en tout cas un couple, pour une raison que je n'ai pas. Alors, au niveau du peuple maintenant. Au niveau du peuple français, que vont apporter le résultat de ces élections US? Les soins. Ah tiens, c'est marrant, j'ai des trucs de médecine, moi. J'ai les soins et j'ai les autorités médicales. Tiens, bizarre. Ok. Que vont apporter les résultats d'élections US au niveau du peuple français? On va faire 6 cartes. Hein. Qu'est-ce que ça va apporter? Alors cette fois, aux gens. Hein. Ah bah tiens, écoutez, j'ai encore quelque chose par rapport à la maladie. Oh là! Oh! Ouïouïouïouïouï! Épanouissement. Nouveau cycle. La crainte. Ah c'est marrant, ça fait penser à la crise sanitaire, moi, parce qu'il y avait les masques. La maladie, la mort, la violence. L'agression. Quoi? Je comprends pas bien là. Quelque chose qui s'épanouit. Ah, mais c'est à la pique. La pique. Le truc qui pique là. Les petits ruisseaux font des grandes rivières. C'est super, c'est un truc qui m'est venu en tête. Ah tiens, c'est un proverbe que j'aurais pu rajouter ça. écoutez, j'ai les masques, j'ai la pique, j'ai les décès. Et j'ai la maladie et les hôpitaux. Alors moi j'ai un truc sanitaire là. Ah bah écoutez, voilà. Hein. Qu'est-ce que ça a à voir avec les élections? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi est-ce que c'est important? Il y a des clarifications. Il y a une lanterne. Il y a des choses qui vont être révélées, j'ai l'impression. On va apporter la lumière. Dans des histoires médicales. Ah ouais, ça c'est bizarre. Ben écoutez, c'est ce que j'ai moi. Ouais, et c'est bien, veillez, les autorités. Les autorités médicales, ici. J'ai que du médical là-dedans. À la coupe, j'avais les soins. Donc ça veut dire qu'on va révéler ce qui s'est passé il y a 3 ans. Oui, c'est une chance, la coccinelle. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a sur la lanterne là. Fuite et échapper. Apparemment, ça va provoquer la fuite. Alors, est-ce que c'est la fuite d'information? La fuite de quoi? J'allais dire la fuite de gens, mais la fuite de quoi?
la fuite et la porte. On ouvre la porte et on prend la fuite. On ouvre la porte à quoi? Une épreuve traversée. Ah, il y a un truc, il y a un truc qui est pas mal, hein. Je n'arrive pas à voir pourquoi il y a la suite. La fuite de qui, la fuite de quoi? Tiens, je vais reprendre mon petit oracle des expressions. Oui, il fait froid, j'ai mis un pull. Ah, pour mon anniversaire, j'ai eu un truc super, un super cadeau. C'est une espèce d'espèce de manteau, voilà, que vous pouvez porter chez vous. Et vous mettez ça par-dessus vos vêtements. Une espèce de grosse cape, quoi. Voilà. Pas un manteau, une espèce de cape. Ça tient très chaud. Mais bon, ça va. Que plus je m'en sors. Tiens, j'étais en train de vous dire que. Oui, j'irai vous chercher un truc après. Bon. Faut pas que je me déconcentre. Alors, la fuite de quoi? Moi, je non, c'est pas la fuite de personne. Hein. Qui c'est qui prend la suite, là? Prendre. Ah, bah écoutez, j'ai la fuite et là, j'ai prendre la poudre des scampettes. Œil pour œil, dent pour dent. Tiens, 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 tiens. La fuite, la poudre des scampettes. Des histoires de vengeance. Bon, bah écoutez, je me demande si on va pas avoir des informations qui vont remonter à la surface au niveau de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Hein. Il y a un truc. Hein. Dormir sur ses deux oreilles, se regarder en chien de faïence. Bah ça, c'était les gens, les vax, les non-vax. Hein. Ouais. L'arbre qui cache la forêt. On va avoir des révélations, hein, par rapport à la, voyez, la scission qui s'est produite dans la société. Et là, il y a des gens qui, pour l'instant, ne s'en doutent pas. Ouais, et qui vont devoir partir. Bon vent. Qui vont devoir prendre le large. Oh, alors là, ça pourrait expliquer pourquoi j'ai des aspects médicaux, moi, sur 2025. Je vous ai dit qu'il y aurait des histoires d'épidémie. Ça revient. Mais est-ce que finalement, c'est pas plutôt les éclaircissements à ce niveau-là? Il y a un truc, je vous assure. Alors après, faudrait pas qu'ils nous rebalancent un autre truc pour éviter la vérité, hein. C'est pas exclu, mais moi, j'ai quand même des choses qui vont être révélées, vraiment, avec la pique, hein. On va redemander. Ah oui, puis ça va s'étendre, hein. Oh là là, bah les gens ils vont râler. Enfin ils vont râler, non, c'est plus que ça là. Là par contre, ça va être un vrai scandale. Hein. Ah ouais, ça là par contre, il y a un truc qui sort. Enfin. Bah ça c'est notre cher et tendre. Hein. On va dire qu'il est fou. Et là on va s'apercevoir, on va dire non, là on va s'apercevoir qu'il est fou. Ce qu'il a fait était fou. C'était de la pure folie parce que regardez, moi j'ai quand même des morts. Hein. Avec la pique. Sans compter les pauvres gens dans les EHPAD. Moi, j'ai toujours mal au cœur en y pensant. Ah ouais. Vous savez ce qui s'est passé hein, dans les EHPAD. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mettre son grain de sel. Oui, bah, ça, c'est lui. Hein. Tiens, 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 tiens. On va lui couper l'herbe sous le pied. Ah ben, la poudre. Ça lui va bien. Mais c'est lui en fait qui a menti. Et là, on va s'apercevoir que non seulement il est fou, il a agi comme un fou, mais qu'en plus il a menti aux gens. D'accord. Et il va pas réussir à cette fois noyer le poisson, j'aurais pu dire aussi. Ouais, prendre le mordant. La situation va échapper à son contrôle. Oh oh. Riche comme Crésus. Ben, ça peut être Donald, hein. Je l'avais dans l'autre tirage. Eh, regardez, il va jeter un pavé dans la mare, Donald. Ah, eh ben, il serait temps, plus le temps qu'on les attend. Être une bonne poire. Ben, ça, c'est les gens, hein. Voilà. Les gens qui se sont fait avoir. Être dans de beaux draps. Donc, c'est vraiment un scandale. Ça, c'est ma carte de scandale, hein. Ouais. Eh ben, il va régler ses comptes. Oh, alors là, j'ai hâte. Ah ouais, j'ai hâte. Bon, même si on a vu que ces élections, elles allaient être compromises et que ça allait discuter, nanana, il y a quand même des trucs qui vont sortir. Hein. Ouais, et ça va vraiment, vraiment être. J'ai que des cartes, vous voyez? J'ai que des cartes de maladie, là, quand même. Hein.
dans lesquelles les autorités sont vraiment impliquées, hein, avec la fourche. Hein. Alors la violence, c'est aussi toute la violence qui a été exercée contre les gens. Moi, j'ai très mal vécu aussi, hein, faut pas croire. Hein. Franchement, j'ai perdu des contacts, quoi. J'ai, comme tout le monde, hein, des gens qui m'ont tourné le dos, des gens proches. Hein. Bah parce qu'on se fait traiter de tous les noms, quoi. On se fait traiter de débile, de fou, de complotiste et tout ce que vous voulez, quoi. Ça fait mal, hein. Alors que nous, on savait. Eh bien voilà, violence aussi. La pique, et ça a entraîné les morts et les décès, la fatalité. Hein. Mais il va y avoir vraiment quelqu'un qui va apporter la lumière et un changement de cycle. Et ça pourrait bien, en fait, provoquer la mise à l'abri de qui vous savez. Pour des raisons, bah, il va donner un faux prétexte, quoi. Mais il va prendre la fuite. Moi, je sais pas. Hein. Ah ouais. Alors, c'est vrai qu'on avait les RKI files dont je vous ai parlé en Allemagne, vous savez. Des choses qui ont fuité. Donc, quelqu'un qui a révélé, en fait, que tout ça, c'était politique, hein, la crise. La pandémie. Mais, omerta, hein. Par contre, j'ai l'impression que si c'est fait de façon officielle au niveau des US, là, il n'y aura pas d'omerta. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Alors, bah, ça va swinguer, hein. Ah ouais, ça va swinguer. Qu'est-ce que je peux... On va demander un peu. Tiens, les démons, là. On va demander un peu au niveau des démons. Je vais laisser un peu mon oracle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, regardez, j'ai encore la lanterne qui se retourne. C'est trop drôle parce que j'ai la même carte dans le grand oracle français. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est, mais enfin, je vous l'ai montré. Hein. Donc, ça veut dire que... Tiens, on va demander, tiens, non. On va demander, pas les démons, on va demander tous ceux-là. Tous ceux qui ont poussé à la piquette. Dans tous, hein. Je les mets tous dans le même sac, moi. Tous des pourris. Ah ouais, tous des pourris. Je suis vraiment, vraiment très, très heureuse que ma petite chaîne... a pu permettre à certaines personnes de prendre la bonne décision. Ah ouais, franchement, et je suis sûre que c'est pour ça que la cartomancie n'en déplaise à certains esprits obtus. Je suis sûre que c'est pour ça que la cartomancie, c'est pas si mal vu que ça. Parce que, je suis pas la seule, hein. Nous toutes, on a fait notre job, quoi. Voilà, on a prévenu. Il faut regarder l'intention aussi. Hein. Moi, mon intention en faisant cette chaîne, c'est de vous aider aussi. Hein. Vous savez très bien que l'argent, j'en vis pas. Hein. Et que, de toute façon, je soutiens des animaux. Hein. Je ne vous dirai pas combien je verse tous les mois. Peu importe. Mais je le fais, quoi. Voilà, je le fais. Bien. Alors, quel va être le sort de tous ceux qui ont participé à cette mascarade avec les masques, justement? Alors, on nous dit d'avoir la foi. Oui. D'accord. Bon, mais c'est pas ça, c'était pas ma question. Parce que j'étais en train de regarder Jésus, là, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il est sorti. Bon, ok. Alors, oui. Quel va être le sort de tous les mauvais, là? Médias compris, d'ailleurs. Nouvellement... Ah, il y a quand même un nettoyage, là. Il y a quand même un espoir de nettoyage qui serait mondial. Oui. Ah, ça serait bien, quand même, qu'il y ait des bonnes nouvelles, hein. Bon, il y a quand même un petit peu de retard. Oui, on va bien apprendre des choses. Hein. Ça va créer aussi quand même beaucoup de mouvements de population. Et je pense que ça va être mondial. Bah oui. Donc, il y a des gens qui vont enfin voir qu'ils ont été manipulés, je pense. Enfin, ceux qui n'auraient pas encore compris. Hein. Bon, moi, ça me parle de Noël, mais enfin, je crois pas. Je crois plutôt que c'est la brouille. Les histoires de brouille, les histoires de froideur. Ça fait penser à Noël, là. Vous savez, quand il fallait mettre les grands-parents dans la cuisine à Noël. Ouais, il y a un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose. Ouais. Les choses du passé sur lesquelles, eh bien, les gens étaient dans l'illusion.
Et là, il va y avoir ma carte du milieu, elle est apprendre. On va apprendre des choses. Ouais. Les gens vont apprendre qu'ils ont été manipulés. Bon, et puis en plus, il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent là-dedans. Hein. Énormément. Hein. Alors, oui. Alors, ma question, c'était pas ça. Attendez, il faut que je me recentre. Tous les complices, là. Alors, ouais. Succès. Bon, il ne m'a pas répondu. Non. Faire fuir. Bon, on peut dire éventuellement qu'il y en a qui ont fait leur... qui ont prospéré, j'allais dire qui ont fait leur blé. Enfin, je n'ai pas tout à fait bien dit. Il y en a qui ont saisi l'occasion pour prospérer. Sauf que le vent tourne. Oui, ils vont devoir partir. C'est plutôt ça, à mon avis. Ils vont devoir partir et ils vont subir des déboires. Il y a quand même la prison qui sort. Hein. Complicité. Prison. Bon, ben, il va y avoir des règlements de compte. Des règlements de compte du fait de ce qui va arriver aux US. Hein. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des dossiers qui vont sortir? Moi, je pense que oui. Après, d'après mon jeu, oui. On va reposer la question. Est-ce qu'il y a des choses qui vont fuiter? Des choses du passé. Des corbeaux, hein. C'est parlant, hein, les corbeaux. Hein. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vont sortir? Il faut vraiment espérer que... Il faut vraiment, vraiment espérer, quoi. Ah, bah tiens. Le diable. Le sanctuaire et la boussole. Ça, c'est drôle parce que la dévotion au diable. Hein. Ah ouais, la dévotion au diable qui a été mondiale. Hein. Bah, c'est les mondialistes, c'est les satanas. Hein. C'est marrant qu'ils sortent toujours celui-là. Et là, il y a là. C'est marrant, vous voyez, vous avez ici le diable et ici vous avez l'Esprit Saint. Enfin, pour moi, la colombe, c'est l'Esprit Saint quand même. Hein. Toujours Noël. Bon, écoutez, il faudra regarder sur Noël alors. Hein. Ouais, là, ça va bouleverser les plans des mauvais. Hein. Bon, ça va nous être offert comme un cadeau. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va nous faire une fleur, là, si on peut dire, cadeau. Oui. Le loup. Oui. Les masques. Observation. Et observation. Bon, ben, recherche, enquête, exploration. Il y a des gens qui ont des dossiers, oui. Il y a des gens qui ont des dossiers, les masques tombent. D'accord. Donc, plutôt des belles cartes. Alors, je suis partie sur 2025, j'espère. Hein, des dossiers qui sortent, oui. Je vais regarder ce que me dit mon petit oracle. En tout cas, il y a des dossiers qui devraient sortir. Tiens, on va te poser la question. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vont sortir sur notre cher couple? Parce que là, je parlais de la pandémie, mais il y a peut-être d'autres dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vont sortir? Oh, ce serait bien qu'on soit débarrassé de ce pourri, là. Alors, ah ben écoutez, voilà, hein. Foudre de guerre, il y a quelqu'un qui a peur d'un foudre de guerre, avoir les jetons. C'est pas lui qui a les jetons, hein. Lui il n'a pas peur, hein. Il a la foudre, il a le pouvoir. Quelqu'un qui va régler ses comptes, hein, avec un vraiment le général, quoi. Et là, il y a quelqu'un qui va à les jetons. Ah ouais, il y en a un qui va à les jetons, qui va prendre la poudre d'escampette. J'espère que c'est ça. Oh, j'espère que je ne me trompe pas. Bon, ok. Alors, est-ce qu'il y a des dossiers qui vont sortir sur notre cher et tendre... Alors, il y en a qui l'ont appelé Néron. Oui, bon, d'accord. Je veux bien. Moi, j'appelle Caligula. Ah, il était tout aussi fou. Hein. Bon, alors. Et tout aussi sanguinaire. Alors, est-ce qu'il y a des dossiers qui vont sortir sur lui? Mettre son grain de sel. Il y a quelqu'un qui va mettre son grain de sel. Il faut se méfier de l'eau qui dort.
Et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. La notion de piège à vos souhaits. Bon, il y a bien quelqu'un qui va réaliser un souhait, qui va donner un cadeau. Donc, qui va donner une information à quelqu'un qui le souhaite. Et donc, mettre son grain de sel. Donc, oui. Au bout du rouleau. Bon. Ben, ça, c'est l'autre. Hein. Ça, c'est l'autre fou qui est au milieu. Hein. Qui est toujours en train de mijoter un mauvais coup. Vous voyez, le requin. Mais il est au bout du rouleau. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Peigner la girafe. Ça, c'est le piège. C'est marrant. Moi, ça me rappelle encore la crise pandémie, là. Où on a attrapé les gens, vous voyez. En plus, il y a la potion à côté. Hein. Et qui n'ont rien fait, qui ont laissé faire. Ouais, il y a deux choses. Il y a bien le côté complicité. Avec tous les gens qui sont fait avoir. Voilà. Bah, vous savez, aller au restaurant, nanana. Donc, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Donc, voilà, on les a appâtés. Et en fait, peigner la girafe, complicité de gens, tout ça n'a servi à rien, sinon à rendre les gens malades. Bien. Alors, on va regarder là, parce que là, il est au milieu. Oui. Trouver le fil conducteur. Écoutez, il y a quelque chose. Hein. On sort d'une situation, ça nous permet de sortir d'une situation difficile. Avoir carte blanche. Bah, c'est celui qui croit qu'il peut tout se permettre. Trier sur le volet, pour moi, c'était les histoires d'exclusion. Oui. Donc, il y a quelque chose au niveau du sanitaire qui va sortir. Quelqu'un qui va donner des informations pour trouver le fil conducteur. Il est au bout du rouleau et l'autre, bah, en fait, il se permet tout. Hein. Il n'a aucune limite. Mais il est au bout du rouleau, on nous dit. Bon. On va continuer un petit peu par là. Donc, il y a vraiment trois choses. Il y a des informations sur l'autre fou, là. Il y a des informations sur le piège qui a été tendu et l'exclusion. Voilà, trier sur le volet. Hein. Je n'ai pas besoin de vous rappeler. Hein. Non, vax et vax. Hein. Ben, voilà. Et là, il y a bien quelqu'un qui donne une information. Oui. Reprendre du poil de la bête. C'est fort de café. Ah oui, d'accord. Et après, il n'a plus le bouton. Bon, bah là, il va pas être content. Mais je crois que c'est aussi les gens. Oui. Alors, attendez. Bon, reprendre du poil de la bête, c'est bien. C'est quelqu'un qui revient en force. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur l'autre, là? Oh là là. Poignardé dans le dos, dites-toi. Heureusement que je ne l'ai pas mise là. Bon, bah, il va être trahi, hein, le gars. Hein. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on va apprendre sur lui? Il va avoir la trouille. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Faucheton. On va apprendre que c'est un traître, quoi. Que c'est un faucheton. Ouais, mais je ne sais pas ce qu'on va découvrir sur lui. Il ne me le dit pas. Le cœur à l'ouvrage, oui. Bon, il y a des choses qu'on va apprendre. Bon, ok. Je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Mais là, on nous dit qu'en fait, on va apprendre qu'il a été payé pour trahir la France. Hein. Qu'il a aussi certainement... Il y a des trucs de vente, là. Bon, attendez. Il a outrepassé ses droits, quelque part. Au niveau du scandale, j'ai pas. Je vais regarder éventuellement... Tiens, on va regarder avec celui-là. Je me dépêche, il est déjà midi. Il faut que j'aille à l'école, après. Alors... Mais il a la trouille, hein. Avoir les jetons. Des dossiers qui sortent. On va laisser ça. Là, vous avez compris, c'est la pandémie. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur qui vous savez? Oh, ce serait super si enfin les dossiers sortaient. Enfin. Oh là, c'est la fin pour lui. Ouais, c'est la fin pour lui. Ouais, ben regardez, ça fait trois fois que je sors la lanterne. C'est pas possible. Il y a un truc, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? Bon, là, je le vois partir. Par contre, on ne me dit pas ce qu'on va apprendre sur lui. Je vois simplement partir. Ah, ça fait deux fois.
le cercueil, la fin, décidément. Le danger. Je vois pas ce qu'on va prendre sur lui. Attendez, j'essaie de trouver un autre jeu. Tiens, on va prendre celui-là, là. Moi, je pense que ça va être le rôle qu'il a joué dans le scandale San. La pandémie, il y a de ça, hein, certainement. Mais il n'y a peut-être pas que ça. En tout cas, c'est la fin. Ah ouais, c'est la fin. Ça fait le jeu qui me le dit. Alors, je vais regarder avec mon petit oracle. Bon, il manque des cartes, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va y avoir un dossier sur lui, là? C'est quoi? Oui. Oui. Bon, je n'ai pas d'autre chose. Hein. Bah voilà, regardez. Il y a bien un homme avec, avec une intention sincère qui va provoquer l'ébranlement du truc. Hein. C'est bien un homme hein, âgé. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre sur qui vous savez? Et encore une fois, la rose, d'accord. Bon, il y a des histoires de dépenses. Hein. Apparemment, c'est plutôt financier. Des choses financières. Oui. C'est en vue. Oui, oui. Regardez, j'ai une annonce. Ce sera annoncé dans le monde entier. Je dépêche. Et voyez encore le cœur. Et ce sera chance. Une chance. Et c'est la fin pour lui. Ah. Bon, on va rester sur ce beau jeu. Il faut absolument que Monsieur Canard passe. Je vous assure. Parce qu'à ce moment-là, on aura enfin... la chance que la vérité remonte par rapport à ce qui s'est passé il y a 3-4 ans. Sinon, ça ne sortira pas, quoi. Voilà. Bon, je vais vous poster ça. Je me dépêche. Donc, ça sera la fin. Ce sera la fin pour lui. Date de, carte de confirmation. Par contre, il y a des pognes. L'argent. La fin de l'argent. La fin de l'argent pour lui. Ouais, il a croqué la pomme. Et là, bah, c'est fini, quoi. C'est pas les arrêts, mais c'est un peu ça. Hein. Là, il y a quelque chose. Hein. Bon. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. On y croit. Il faut qu'on y croit. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.